Bonjour messieurs, dames. Bienvenue, j'espère que vous êtes sur votre 33. On est tellement pas crédible. Messieurs, dames, nous sommes aujourd'hui au Palace, discothèque à Aix-les-Bains, qui nous accueille ici en tant que videur pendant... On va faire une grosse heure, voire ouais, une heure et demie de vidage. On est en tout début de soirée, on va avoir des gens qui arrivent. On a une soirée a priori plutôt étudiant, etc. Donc il y a forcément des gens qui vont peut-être te reconnaître, me reconnaître. C'est pas grave, nous on reste dans notre rôle. On a une caméra ici, j'espère que t'es très confiant sur ta calvitie. Les cheveux ne rentreront pas. On a nos cadavres qui sont un peu cachés. Cache-toi mieux. Cachez-vous bien. S'il te plaît. Voilà, détecteur. Attends, t'énerver. On sera des videurs très sympathiques. Je vais peut-être rentrer avec le premier groupe. De toute façon, comme on dit, nous, c'est à la gueule. Nous, c'est délit de faciès, nous. Petite parenthèse en off, c'est évidemment une vraie discothèque. Il y a des vrais clients à faire rentrer. Donc nous, ils nous ont laissé l'entrée principale. Mais si on dégage les gens juste pour la vanne, il y a une autre entrée. On leur flingue pas leur soirée. Ils seront récupérés par les équipes et pourront aller en soirée tranquillement. Où il y en a d'autres, on les interdit même là-bas par les vrais videurs. Ah, ça se trouve, du coup, nous on va les faire entrer et le vrai videur va dire alors pour la vidéo t'es rentré, mais sinon tu sors. Eh ben c'est parti, messieurs dames. Videur challenge. Ah, oh, c'est les débuts de soirée, messieurs dames. Ça arrive, Benjamin. Ça se dégage. Il y a un petit groupe de pépettes là. Bonsoir, mesdames. Bonsoir. Bon, moins agressif déjà. Merci. Vous venez faire quoi, mesdames? Non, on vient danser. C'est quoi le thème? Il y a trois thèmes différents. Est-ce que vous êtes là pour faire des petites escarmouches ou ça va se passer tranquillement? Tranquillement. Vous avez un petit budget à dépenser? Ah oui, c'est vrai, ça compte. Combien? 150. Oh, c'est bien ça. Vous payez des verres à la sécu? Elle a dû comprendre autre chose. Ah, t'as compris quoi? Je sais pas. D'accord. Bon, je vais devoir passer au désagréable. Attention. Oui, voilà. C'est bien, effectivement. Allez-y, ça va être une très bonne soirée, merci. Allez-y, mesdames. Wow, et que ça boum, hein. Il y a le Gicha. Et que ça boum. Allez, on va faire c'est la bien. Pointe, voilà. C'est ça qu'on veut. C'est de la bonne ambiance, mais dans la sécurité. La sécurité avant tout. Après, 3, c'est bien dans une boîte. Après, on est vite serré. Plus, c'est mauvaise soirée. Ça commence à faire beaucoup de vie. Encore des pépettes. Bonsoir, ça va pas être possible. Bonsoir, mesdames. Allez, avancez, s'il vous plaît. On va passer au contrôle. Venez souvent ici. C'est notre première sortie de notre vie. En boîte de nuit. Non. Si. Je vais vous demander de vous décaler, s'il vous plaît, et de patienter. Et pourquoi? Je sais pas vous donner de raison, madame, je fais mon métier. En général, quand tu veux être très désagréable, c'est même pas tu dis non. Je sais pas si c'est déjà arrivé. Ah oui, on te fait décaler un quart d'heure ici et tu sais pas pourquoi. Alors, pas et là, t'as plein de gens qui rentrent. Bon, c'est votre première soirée en boîte de nuit? On va leur demander de voir si elles peuvent danser. Mesdames, ce monsieur ici pressant va faire un beat, on appelle un beatbox. On va vous demander si vous êtes apte à danser au Palace. C'est niveau Palace. Hein. C'est ni... Pop, pop, pop. Et par contre, c'est pas agressif, par contre. Et par contre, c'est pas agressif. On va se calmer. Merci messieurs. Les dames sont sympathiques. Vous pouvez passer une très bonne soirée. Regardez, elles sont entre elles. Elles ont pas fait d'escarmouche. Pas d'escarmouche, pas d'embûche. Pas approché messieurs. Y a pas. Putain, mais comment il me parle? Mais comment il me parle? Mais comment il me parle? Messieurs, ça va être simple. Ça veut jouer les gros bras? C'est quoi l'idée? Ça veut faire les malins, on est plus cons. Ah bah si ça veut jouer au con, vous êtes perdants les gars. Les gars, on va vous demander un petit peu d'explication sur les chaussures. C'était quoi l'idée? C'est de faire un trail avance? Il y a eu crossfit, c'était quoi l'idée? Je vais vous demander de patienter le temps qu'on réfléchisse et qu'on soit un petit peu des gros bâtards. Vous revenez accompagner, messieurs. C'est pas un fitness park. Hein. Merci. Bonjour, messieurs, dames. Vous venez pour quoi? Il n'y a pas de soirée ce soir. Ah, c'est un séminaire. C'est une soirée. Ah non, t'avais l'excuse. C'est une soirée privée. Soirée privée. Vous êtes accompagné? Ah oui, tu le vois? Oui, c'est vrai. Aïe, Pierre. Ouais. Là, je vais demander. Non, je vais demander une explication. Contrôle des mollets. On est short ou pantacourt, Pierre? Parce que c'est là que ça va jouer. Ah bah, donc c'est au revoir. Les deux, là, vous pouvez rentrer. Vous pouvez rentrer, pas monsieur. Ouais, vous reviendrez avec soit un pantalon court, plus court, moins long. Soit un short, mais pas un pantacourt. Merci beaucoup. Merci, pas de grabuche. Je vous en prie, messieurs, dames. Sonne plus sur les pantacourts. On fait ce qu'on veut. Allez, ça envoie des cibelles, les watts. J'aime te dire que là, il y a de la basse. J'aime bien, c'est une soirée privée. Tu sais qu'ils ont toujours des excuses, hein. C'est soirée privée, ou alors vous venez de la part de qui? On fait une soirée, on a une liste. Soir. Je vais demander de pas trop vous approcher, c'est une question de sécurité. Vous êtes sur la liste? Bien sûr. On a les yeux un petit peu vitreux? Non, du tout. On a bu l'alcool? Un petit peu consommé avant? J'aime bien le monsieur, très sympathique, bien habillé. Si vous pouvez venir en avant, on a un très beau. Vous pouvez rentrer. Mettez-vous sur le côté, on va afficher avec les clients. Mettez-vous sur le côté. Vous mettez. Bonne soirée, monsieur. Mesdames, bonjour. Pardon, qu'est-ce qu'on fait? On est costaud, on est charismatique, on est videur. Ça fait
tiens, on a cassé pas mal de gueules pour arriver là. Vous venez pour quelle soirée? Danser, boire. Je vais demander de vous mettre sur le côté. En fait, on va créer une soirée. On va réfléchir à faire des mélanges. Ouais, tu rentres avec elle. Allez, super. De toute façon, les mélanges, ça te connaît ce que t'as fait sur le parking. Allez. Je vais demander de vous mettre sur le côté, mesdames, s'il vous plaît. Mon collègue ici présent va faire un rythme frénétique. Bien sûr. On va voir si vous avez la capacité de danser. Tout, 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 tout. Allez, circulez. Rien à voir, ça dégage. Il n'y aura pas que du bolange ce soir. Allez. Bonne soirée. C'est pas grave. Bonsoir. Ah. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes revenus? J'ai l'impression qu'on n'a pas été chercher bien loin. Attends, ils vous ont pas forcé à dire que vous étiez accompagné. Parce que ça, je l'ai beaucoup fait, ça. J'arrive tout seul à Guillaume. S'il vous plaît, les gars. Mesdames, vous pouvez rentrer. Messieurs, on va vous demander de patienter. Bonne soirée, mesdames. Et amusez-vous bien. C'est une course gratuite pour les femmes. Messieurs, vous êtes accompagnés? On était. Non, là, je vois seul, monsieur. Ne me prenez pas pour un imbécile. Ouais. Donc, soit vous repartez, vous revenez accompagné, soit vous rentrez pas. Tentez. Bonne soirée, messieurs. M'enlevez les chaussures la prochaine fois. Ah, bah, c'est des gens qui veulent s'amuser, j'imagine. Bon, allez-y directement, prenez-le vous. On va y aller, nous, on rentre, Abel. On va rentrer avec vous. Attends, on va refermer parce que là, on fait un peu de bruit. Vous êtes pas accompagné? Non, parce que. Ah, c'est pas grave à ce niveau-là. Hein. Vous êtes là pour faire la fête, vous êtes pas là pour faire de grabuge. C'est des bons mecs, ça. De toute façon, on peut pas les stopper, donc on va. Bon, je vous en prie, messieurs, passez une agréable soirée, ça fait plaisir. On boit pas trop d'alcool, on fait attention, on est majeur. Super, vous avez une carte d'ID. C'est pas grave, monsieur, c'est pas grave. Allez, bonne soirée, messieurs dames. Passe bien, allez. Bonjour, messieurs dames, vous venez pourquoi? Pour passer. Vous voulez un peu vous battre quand même, j'imagine, ou faire du grabuge? Franchement, pas trop. Ah d'accord, allez, c'est rabat-joie. C'est la première fois qu'elle avait vomi sur les canapés. On est tombé sur un rabat-joie. Ils veulent passer une bonne soirée sans vomir. Mademoiselle en rouge, sur quelle chanson vous dites celle-là, c'est la mienne? Ça, c'est comment ça m'intéressait. Allez-y, madame. Tu fais le test videur qui a soif? C'est une soirée. Il y a un videur qui vous demande un petit verre. Il aime bien la pina colada. Tu voulais prendre quoi, toi? Cuba Libre. Petit Cuba Libre, une pina colada. Comment vous réagissez s'il vous demande de lui offrir un petit verre? Pourquoi pas? Ça fait plaisir. Vous pouvez rentrer, madame. Allez-y. Merci. Merci. Bonne soirée. Vous pouvez vous décaler des petites minutes? On a un peu de monde, on a un peu de monde. Ah, c'est quoi? C'est une équipe de foot? C'est quoi là? Vous êtes accompagné, messieurs? Ça a changé YouTube là. Ça ne plaît plus trop. La lampe là dans les yeux. Les yeux. On va. Est-ce que vous pouvez ouvrir les yeux, s'il vous plaît? Wow, les pupilles sont dilatées. Ah, c'est dilaté là. Là, c'est tout noir, il n'y a plus de couleur. Ouais. Ah là, messieurs, c'est en basket, messieurs. Vous êtes en basket, ça va pas être possible. Tenue correcte exigée. Hein. Vous connaissez les 5 là? Il y a les 5. Bon, ça dégage. Ça reste 5 minutes, ça dégage. Bon, vous revenez dans un quart d'heure si vous voulez, mais c'est pas là. Ah, les fauteurs de troubles. Ça va pas être possible ce soir. Ça va pas être possible, j'aime pas les coupes de cheveux. On fasse un truc plus sobre au niveau de la tenue. Si vous avez une chemise en jean et vous un t-shirt noir, ça passe peut-être. Là, c'est pas possible. Bonne soirée, monsieur. Ça va. Ah, ça ressort. Vous voulez vous battre? Ça dégage! Ah non, c'est ma mère! Eh ben merci beaucoup, ça fait plaisir! Bon, vous voulez repartir, la soirée était bonne? Très bien! Ah, vous y allez? Oui, on y va! Bah allez-y, mesdames, c'est toujours un plaisir, vous revenez demain! Allez, ciao, ciao! Moins fort! Sors! Par contre, s'il faut être agressif, on va l'être! Je vois que depuis le début, ça, c'est les gros bras! La vulgarité, ça va rien mener! C'était la bonne soirée, mesdames, allez! Ça va pas être possible, vous restez dans la boîte, là, il y a tout le monde qui part! C'est la fête! Allez! Non, ça va! Allez! Deux qui sortent, ça va! Eh, vous faites attention sur la route, les filles! Arrêtez la vulgaire! Arrêtez! Bonjour, messieurs, dames. Sorry. Okay. We don't speak French. Il t'a traité d'enculé. Là, je sais pas ce qu'il a dit, mais là. Vous parlez français? Non plus? Ils veulent. To come in. No, come in. You want to what? To dance. No, today. Where do you went from? California. From when? Are you born? From when are you born? Please. November 15, 2000. 2000, c'est-à-dire 1200. Très très vieux, c'est bon, ça veut dire qu'il est majeur. Where do you go for the job? Why ex-les-bains? What do you... Mais arrêtez, vous deux! Mais on va casser des bouches! Parler anglais? Yes, of course. Of course? Go, parce qu'on va parler anglais, donc go. Thanks. No problemos. Living la vida. Alors? Bonsoir messieurs, c'est quoi le projet là? On nous a dit qu'il y avait une piscine. C'est pas une soirée déguisée, messieurs, d'accord? Donc on enlève les fausses lunettes. On enlève les perruques. Et on enlève cette chemise un peu trop petite. Allez. C'est pour cacher ce qu'il y a en dessous. Il y a un petit accent. Where do you come from? Ça j'aime bien. Aix-en-Provence. Ah, ça j'aime bien. C'est pas du toc, ça passe. Allez, il y a le petit test. Ça passe. Chanson préférée pour faire la fête. Les serviettes.
Et une très bonne soirée. Et une très bonne soirée. Et une très très bonne soirée. Il a dit les lacs du Connemara. Et drinks on me, drinks on me. Bonjour mesdames. Ah, c'est pour Benjamin. Ouais. Les gens qui veulent sortir. Pour quelle raison? Pour quelle raison? C'est pas une raison d'aller se coucher, il y a des banquettes. Ouais, merci. On dort sur les banquettes, allez, je l'ai fait souvent. Bonjour messieurs, dames. Vous êtes venus en voiture, est-ce que vous allez boire de l'alcool? Parce que j'interdis aux gens formellement de reprendre la bagnole s'il y a le moindre verre d'alcool. On a prévu de donner tous les verres non utilisés à monsieur. Allez-y. Merci. Messieurs, mettez-vous sur le bas-côté, s'il vous plaît. On va réévaluer un petit peu. Identité, prénom? Nicolas. Nicolas et Sébastien. Très bien, pourquoi? Non, mais c'est une raison. Pourquoi Nicolas et Sébastien? Pardon? Fais le malin. Tu te retournes, tu te mets les mains contre la vitre. Allez. Fouille complète, merci. J'y vais ou tu vas? On sait jamais parce qu'il y a de plus en plus d'armes. Et blague à part, est-ce que vous faites partie de ces saloperies qui sont les piqueurs? Ça par contre, blague à part, on déteste. Je dis à la cam, ça on déteste ça. C'est le nouveau jeu ça. Ça arrive là. Je lui ai demandé de vous mettre sur le côté, monsieur. Désolé, faites pas les malins. Carré Ben? Ça va les gars? Il y a un miroir? Attendez, mais il y a un miroir. Il y a un miroir qui fait beau gosse? C'est le multiverse. C'est dans le monde où on est beau gosse. On dirait eux aussi. Le multiverse, on est mal habillé. Non, c'est pas bien, messieurs, on vous a fait trop patienter. Non, et je vois que Nicolas en a marre, donc il va passer vraiment. Vous avez fait patienter, ça va pas être possible, désolé. Non, pierre feuille ciseaux. D'accord. En combien de points? En un point. Je suis désolé, votre soirée va jouer sur un pierre feuille ciseaux. Si je gagne, ça dégage. Si je gagne, vous rentrez les gars. Attends. Si je gagne, il rentre. C'est vous. Sur un autre ton. Pierre feuille ciseaux. Il je suis désolé, mais... Non, il a perdu. Ah oui, c'est vrai. Ça va pas être possible. Je suis désolé, allez, monsieur. Allez, salut Pierre et Ben. Hein. À la prochaine. Je les aimais beaucoup. Ouais, c'est Pierre et Ben qui sentent bon. Non, mais c'est le multiverse. Et le multivers, là. Ça, c'est intéressant. Ça, c'est un jeu de mots. Hop. Bonsoir. Bonsoir. J'aime bien, c'est stylé. Vous êtes bien habillé. Je dois vous le dire droit dans les yeux. Ça vous dit de prendre un petit peu de bon temps? Pardon, dites-moi son mec. Palace, quoi. D'accord. Allez, mademoiselle, ça rentre. Monsieur, ça rentre pas. Eh, vous allez voir, il y a une tonne de beaux gosses. Bonne fiesta, on a qu'une vie, hein. Allez, belle ambiance là. Ah, on va arrêter. On se calme là-haut. Putain les cons. Salaud. Putain de merde. Ah, ils sont tous rentrés. Y'a pas de sécurité à cette boîte ou quoi? Attends, ils sont où les mecs là? Attends, on devrait être plus agressif là. C'est quoi, moi je laisse entrer plus personne? Plus personne. Là, on a pris. T'as tu vois, eux ils vont manger pour tout le monde. Vous voulez faire quoi maintenant? Tu veux bon vous prendre? Dans la vie. Dans la vie? Rentrez! Rentrez, je veux plus! Mais je veux plus entendre ça! Elles sont cheloues. On va peut-être prendre les derniers et après on va faire le petit bilan de cette expérience. Tu viens de pousser là? Ouais, tu dois rentrer? Non. Tu fais le malin? Non. Tu te mets sur le côté? Fais chier, je bosse ici. Les armes blanches? Bah non. Ouais, ça dégage. Ouais, ça dégage. Qu'est-ce que c'est cette histoire? C'est tout l'air calé? C'est un best-of? C'est le bêtisier de l'année? Il y a Arthur, il y a qui là? Non, les gars, mais non, mais là, soyons sérieux. C'est simple, ça va être 10 pompes au sol. Si vous arrivez à faire 10 pompes, on peut s'arranger. 6, oh, il est costaud. 7, il est peut-être plus costaud que nous. Il est plus costaud que nous. Allez. Oh, bon, allez, monsieur, allez. Bonne soirée. Non, mais attendez, vous êtes un peu transpiré, ça dégage. Ça pue la sueur. Tu peux te mettre les mains contre les vitres, on va te fouiller. Il y en a un qui cache des bougies dans ses oreilles. C'est pour quoi faire les bougies là? Il y a l'électricité dans la boîte. Hein. On collectionne les miel pops. Allez, il est gentil comme tout, il va rentrer. Il est, allez, allez, rentrez, messieurs. Allez, rentrez, messieurs. Merci, messieurs. C'était une vanne. Ah, on est un petit peu dans l'humour, mon collègue et moi. Voilà. Et ferme la porte, t'es con d'air! Merde! On laisse rentrer ou pas? Il m'a l'air sympathique, c'est pour ça que je te dis ça. Vous êtes venu pour vous amuser ou pour foutre du grabuge? Le sbol! Il a résisté 3 fois à la laine. Allez, ça passe. Allez, faut bien que jeunesse se passe. Benjamin, on a fait notre 1h30 de service. C'est pas mal, hein? C'était notre contrat avec la boîte. On leur a demandé 1h30 parce qu'après, ils ont des vrais clients. Ça va arriver en plus, ça va être le vrai flux bientôt. Et on va pas vous voir gérer du tout. Non, on va essayer de rentrer après avec les vrais vigiles, je pense. On a fait l'expérience cet été, très particulier. Bah, on se rend bien compte qu'on fait les malins, mais quand des gens veulent rentrer, ils rentrent. Bien sûr, s'ils veulent vraiment, ils rentrent. Et on le dit quand même à la cam, évidemment, on a fait les imbéciles, mais le travail de videur, c'est un vrai métier, fait par des professionnels. Oh ouais, et ils le font très bien avec moi, d'ailleurs. Et s'ils étaient pas là, on n'aurait pas de sécurité dans des lieux comme ça qui en demandent. Et si on a joué les imbéciles, c'est qu'on l'était un peu déjà de base. Bien sûr, bien sûr. Mais moi, ça m'a fait plaisir un petit peu d'être de l'autre côté, parce que souvent, c'est moi qui attends là. Oh là, y a l'ambiance.
c'est la vraie soirée va commencer. Bah, on laisse nos places. Merci Benjamin d'avoir joué le jeu avec moi. Merci Pierre. Merci ce rôle-là. Merci Pierre. Il me tenait à cœur. Ça, c'est un vrai métier, ça. Ça, c'est un vrai métier. Allez, ça circule. Abonnez-vous si vous voulez, mais faites gaffe. On contrôle l'entrée des abonnements. Voilà, l'entrée. Ouais, on va contrôler ceux qui veulent s'abonner, là. Merci. Merci.